Pourquoi ce morceau sur Patrice Carteron justement? Il représente quoi en fait Patrice Carteron pour toi? Il représente... C'est la détermination. La détermination, la... Comment dirais-je? Comment je pourrais t'expliquer ça? Les codes de la rue, quoi. Il représente un mec qui n'a peur de personne, entre guillemets, tu vois. Qui porte ses couilles, tu vois. C'est vrai que c'est une personnalité aussi qui a relayé le morceau. Il l'a validé, en quelque sorte. C'est son hymne, entre guillemets, au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que maintenant, il monte sur les combats avec ce morceau. Ouais. Patrice Carteron. Patrice Carteron. Patrice Carteron. Patrice Carteron, nous les écarterons. Et je sais que tu l'as rencontré aussi personnellement. Tout à fait, ouais. Sur l'un de ses reportages qui a été fait dernièrement par rapport à un combat. Pour le préparatif d'un combat qui devait se faire entre un boxeur, je crois que c'était un Serbe ou un Roumain. Ouais, c'était Al Carpentier dans le 13e. Ouais. Et comment ça s'est passé cette rencontre? Bah en fait c'est lui qui m'a contacté. Il avait vu le son, il avait validé le son, tout quoi que ce soit. Il avait relayé sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux. Et il m'avait contacté via mon réalisateur de clip, Slur Game. Il est passé par lui pour me contacter parce que c'était Slur Game qui faisait le reportage. Et comme il savait que c'est lui qui avait fait aussi le clip, donc il a dit ouais, ramène-le moi pour le reportage, il faut qu'il soit là, c'est important qu'il soit là. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est vu moi et lui.